Quand le cinéma israélien s'exporte à Hollywood après le succès au box-office US de Paranormal Activity du génial israélien Oren Peli, voici que les célèbres studios californiens viennent d'adapter à l'écran La Dette d'Assaf Bernstein et Ido Rosenblum. Les producteurs du géant Miramax ont été séduits par l'histoire de Rachael, Zvi et Ehud, trois agents au service du Mossad partis en mission en Ukraine pour capturer un ancien criminel nazi répondant au doux nom de Max Reiner. Nous sommes en 1964 et l'objectif avoué de ces trois agents est de ramener le tortionnaire en Israël, mais l'homme sera abattu après avoir tenté de s'évader. Or, coup de théâtre, 30 ans plus tard, un journal ukrainien révèle qu'un certain Reiner se vante d'avoir exécuté des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. De là commence la trame de l'histoire. Comment ces trois agents ont-ils pu laisser filer un ancien assassin du Troisième Reich? La distribution de ce film version Hollywood est pour le moins alléchante. Sam Worthington, l'acteur principal du sublissime Avatar, et l'actrice israélienne la talentueuse Romy Aboulafia, qui reprend le rôle tenu alors par la légendaire Gila Almagor.